Gabu dimbu dineni. Donc le Gabon est un grand pays. Kumbu Gabu uukum isalu bunzonzi. Donc la devise du Gabon c'est l'union, travail et justice. Il s'agit ici de valoriser la langue Puno par la sortie de cet ouvrage nommé Mampmapuel Mujabi Puno, qui signifie en français plusieurs mots pour connaître le Puno, paru ce mois de juillet. Son auteur d'ethnie Puno est d'abord une adepte de la langue avant de la traduire dans cet ouvrage avec l'appui de sa mère. Ici, la jeune écrivaine nous livre ses motivations. Je dis souvent, savoir parler sa langue, c'est garder son identité et valoriser ses origines. C'est en ce sens que je me suis dit, il faut que nous les Gabonais, nous puissions retrouver notre identité. Et retrouver notre identité, ça commence par la valorisation de nos langues vernaculaires. Un livre qui, dans son ensemble, pose les bases de cette ethnie du sud du Gabon. Ce livret, il a plusieurs champs lexicaux. Il parle du Gabon, de manière brève. Il parle des verbes, des animaux, du corps humain, compter les chiffres, compter l'argent. Même si ce livre n'aborde que la langue Puno, c'est un premier pas pour encourager chaque Gabonais à s'exprimer dans sa langue maternelle et surtout, dès le plus jeune âge, non seulement à la maison, mais aussi dans l'univers scolaire. Il y a deux livrets qui sont en cours. Le livret de conjugaison, il va consister à conjuguer les verbes aux différents temps simples et aux temps composés, en Puno bien sûr. Et puis il y a un autre livret vraiment que je tiens à cœur, c'est le livret qui sera adapté pour les enfants. Comme nous avons des livrets de situations cibles pour nos enfants, ce sera la même chose pour les livrets en Puno. Ce livret-là, il y aura des exercices d'application pour permettre à l'enfant non seulement de voir le cours et d'illustrer et de comprendre avec les exercices à la. Pour l'auteur, cet ouvrage se présente comme une réponse à la préservation des langues locales gabonaises pour la génération d'aujourd'hui et celle à venir.